Donc, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez quand même hein, à propos de la boîte à clapet Italkit en W, c'est qu'elle ne rentre pas hein, dans les carter NSR. Vous voyez, là, je suis à quasiment 1 cm du carter. Voilà, ça bloque ici sur les côtés. Et donc il faut limer soit les carter, soit les clapets. Les clapets, il y a énormément, il y a 3,5 mm d'épaisseur ici sur le côté. Donc j'avais choisi de limer les clapets la première fois et je vais faire la même chose aujourd'hui. Voilà, donc ici un petit coup de lime et puis surtout arrondir les angles et ça rentre parfaitement. Ici en principe c'est monté à sec mais je mets du Loctite 518. Alors, on sait jamais, hein, on ne sait jamais. Ensuite je remets du Loctite 518 ici pour y mettre la plaque qui maintient les deux groupes de clapets en place. Voilà. Là au moins je suis sûr que les clapets sont collés, qu'ils ne vont pas vibrer, il ne va pas y avoir une micro-fuite ou une micro-prise, disons plutôt. C'est préférable. Bon, étant donné que je ne vais pas monter la pipe d'admission aujourd'hui, j'ai mis des 4 vis, pas bloquées, hein, mais bien serrées contre, quoi, pour que le joint... pour que la pâte à joint soit bien plaquée, que tout soit bien collé cette nuit. Et parce que c'est un produit qui nécessite quand même de durcir un certain temps, quoi, au moins 6 heures. Donc voilà. Voilà. Et demain, je pourrais enlever les vis et mettre ma pipe d'admission dessus. J'ai encore du travail à faire sur le carbu, donc là, il est tard. On verra ça demain.